Bon, les amis, donc on se retrouve chez nous. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, nous avons 30 pièces d'or. À côté, on a la réputation de la boutique. Et en plein milieu de l'écran, c'est l'heure. Donc là, on voit qu'il est 6h du matin. Vous pouvez voir là qu'on a un petit tuto sur le mur, une petite feuille, mais on va pas s'attarder là-dessus parce que je vais vous montrer ce qu'il y a à faire. Donc, comme dit, hein, le jeu est à 2 € et quelque chose sur Steam. Donc voilà, c'est un petit jeu sympa. Le développeur attend quand même des retours pour pouvoir agrandir son jeu, d'après ce que j'ai compris. Mais pour l'instant, je vais vous présenter. Le contenu actuel quoi. Donc là c'est notre coin forge, c'est là où on va devoir faire nos objets et nos armes. Et là ça va être la boutique qui va s'ouvrir, les gens ils vont arriver, ils vont commencer à prendre les objets que vous avez mis en vente quoi, tout simplement. Sur ce petit bureau ici, il y aura des gens qui voudront des quêtes spécifiques, on va dire. Ils vont vous dire par exemple, j'ai besoin d'une hache à 16h, il faudra faire la hache avant 16h, voilà, avec un petit bonus d'argent bien sûr. Ici c'est ce qu'on peut débloquer, ça vaut 80 pièces d'or, c'est des marmites. C'est enfin des petits chaudrons, ouais, des marmites, où on pourra faire nos lingots de fer nous-mêmes. Donc, à savoir que dans le jeu, il y a quand même besoin de quelques ingrédients pour faire nos armes. Par exemple, ici, vous pouvez le voir, pour faire des clous, il nous faut un lingot de fer. Ensuite, pour faire une dague, il nous faut un lingot de fer et un bois. Enfin, voilà, etc., etc. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Là, c'est pareil. Pour faire un marteau, il faut deux de fer, deux lingots de fer et deux de bois. Donc, voilà. Là, comme vous pouvez le voir, on a déjà des stocks. Là, on a deux de charbon, deux de fer. Et normalement, on a des lingots, non? Là, il y a du bois, ok. Et là, il y a des lingots, donc on n'en a que 4. À savoir que 2 fois par jour, il y a un marchand qui va arriver ici, qui va pouvoir vous vendre des lingots et du bois, si vraiment, voilà, si vous avez besoin. Sinon, ce que vous pouvez faire, simplement, c'est aller ici, à la mine. Juste là. Et vous voyez, là, vous pouvez travailler pendant 2 heures pour récupérer, par exemple, 2 heures, pour récupérer deux minerai de fer, et si vous travaillez 4 heures, ben forcément vous en récupérez le double. Pareil pour le charbon, et pour le bois, c'est juste ici. Donc il n'y a pas vraiment d'animation, on clique dessus, on dit le temps qu'on veut travailler, ça nous met un écran noir, et puis on a ce qu'il faut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, c'est pour avoir 4 de bois, vous voyez, on peut travailler 2 heures ou 4 heures, donc forcément, plus on travaille, plus ça va doubler. Donc voilà, alors ce que je vous propose, c'est de faire notre première arme, par exemple. Oui, on va faire ça. Donc on va commencer par faire le plus simple, des clous. Il nous faut juste une barre de fer. Donc je vais en prendre une. Vous pouvez prendre directement avec le clic droit et le clic gauche de la souris. Vous pouvez prendre 2 ingrédients en même temps dans les mains. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on pose notre lingot de fer. Et il suffit d'aller là-dessus. Voilà, on entend un petit son. Et puis vos lingots, ils sont ici. Il suffit de les prendre et les poser sur la table là. Et quand les clients ils vont venir, s'ils sont intéressés, ben, ils vont vous les acheter, sinon ils vont repartir tout simplement. Donc je vais faire pour l'instant, alors je vais faire une petite dague, ça peut être sympa aussi. Donc un lingot de fer et un de bois. Donc là il y en a aussi ici qui traînent, c'est impeccable. Donc ensuite avec les 2 clics de la souris, tac, vous voyez, c'est magnifique. Et là on a vu qu'il fallait quand même 1 heure pour faire la dague. Donc là, bonjour messieurs, ben, ils nous ont déjà acheté les clous, c'est net, c'est vraiment cool. Lui, c'est une quête spéciale, vous voyez, il vient ici, il attend qu'on arrive. Donc là, qu'est-ce qu'il veut? Bonjour, monsieur le forgeron. Enfin, en gros, vous savez, je suis très nul en anglais, donc je fais ce que je veux. Je fais ce que je peux, pardon. Je fais ce que je veux, ok. Donc en gros, lui, il veut quoi? Une trusty blade, donc une épée. Il la veut pour 15 heures et il nous paye 48 d'or. Écoute, on va accepter. Hein. Voilà, maintenant, vous pouvez le voir en haut à droite, on a 15 heures. Sword pour le guerrier, enfin le chevalier. Donc je vais la faire tout de suite parce qu'il est quelle heure? Il est quasiment midi. Et pour faire une épée, il me faut quoi? Alors, Sword, il faut 2 de lingots et 1 de bois. Ouais, ok. Je vais mettre au plus de lingots déjà. 2 de lingots et 1 de bois. Ok. Il n'y avait rien d'autre par rapport à l'épée. Hammer, ça c'est pour faire des flèches. Non, d'accord. Ok, 1 de bois. Et ça va nous prendre 1h30.
parti. Ah, le bruit là, je sais pas, ça veut dire qu'il y a le marchand qui est là? Non. Non, je pensais qu'il était déjà là. Donc on peut poser l'épée ici. Et quand tu vas venir à 15h, on aura juste à cliquer, il va nous donner l'argent, quoi. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est... Ben, vous avez vu que les clous, ils partent relativement vite. J'avais dit que je voulais faire aussi peut-être une... Ouais, je vais faire encore des petits... des clous. Ça a l'air de bien fonctionner. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, il y a des clous. Histoire de débloquer la première marmite. Première marmite. Bonjour, monsieur. Alors, il a besoin d'une hache. Il me donne 40 pièces à 17h. Écoute, oui, on va accepter. Donc, on n'oublie pas qu'il y a le premier chevalier vient à 15h et l'autre à 17h. Donc, lui, ça va être vite fait une hache. Hein, c'est vite fait. Donc, un lingot et deux de bois. Ok. Ah, j'ai plus de lingot, si, là, non? Non, j'ai plus de lingot. Il n'y a pas le marchand? Non, pas encore. Oh, mince. Ah, ça risque d'être un petit peu embêtant, donc c'est pas grave. Salut mec, pourquoi tu râles? Il n'y a pas ce qu'il faut. Donc là, c'était chevalier qui veut l'épée, je crois. Voilà, impeccable. Donc on a récupéré 111 de... Enfin, on a 111 pièces d'or maintenant et on a 26%. Alors je vais tout de suite débloquer. Voilà, ce petit chaudron. Pour vous fabriquer des lingots, il vous faut un de charbon et un de fer. Donc ça, c'est ce que j'ai encore ici, donc je vais en profiter. Un de charbon, un de fer. Voilà, je mets ça à l'intérieur. Là, il faudra attendre un certain moment et vous allez voir que le lingot il va apparaître ici. Ok, il est quelle heure? 16h. Ah, l'autre il va arriver pour sa hache. Bah, c'est bien, je vais me faire un lingot, donc ça c'est cool. Le marchand n'est pas encore là? Non, il n'y a pas de marchand aujourd'hui ou quoi? Bah, bravo. J'ai pas envie d'aller travailler pour le moment et aller chercher des ressources parce que si le temps y passe, bah, je vais louper ma quête tout simplement. Donc je vais attendre, il est quelle heure? 16h30, lui va venir dans une petite demi-heure. Ok. J'ai vraiment plus de lingots qui traînent quelque part là. Ah là, il y a encore du bois. Impeccable. Est-ce que je peux le stocker? Yes. Ok. Impeccable ça. Et là, il y a quoi encore? Du charbon. Bah, je pourrais le placer ici. Bah oui. Voilà. Et du fer. Impeccable. Est-ce qu'il a fini mon fer? Non, pas encore. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, je crois que... Le gars va arriver. C'était lui, non? C'était lui, le gros balourd, là? Ouais, c'était lui, ouais. Mince. Bah, le lingot, il prend plus de temps que prévu. Dommage qu'il n'y a pas une indication pour nous dire combien de temps il reste. Mais bon, peut-être ça va venir par la suite. Hein, je vous dis, je vais aller toujours en early access, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je peux faire un truc en bois qu'avec du bois, ou bien... Là, il faut des lingots de fer partout, quoi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ah bah, c'est bon, c'est fini. Là, on a notre lingot, vous voyez? Donc, c'est cool, je vais lui faire la hache tout de suite. J'espère qu'il va pas partir. Allez, 1h30. Ok, mec, t'es encore là? Genre, le mec a attendu 1h30 que j'arrive, quoi. Tiens! Ben voilà! Magnifique! Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de sauvegarde dans le jeu. Ça va être implanté par la suite, je vous préviens tout de suite. Mais bon, honnêtement, je vais vous dire que c'est un jeu qui joue en 1 heure. On a fait le tour, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais bon, normalement, les sauvegardes vont arriver par la suite. Pourquoi il râle, lui? Il est toujours pas là le marchand, t'es sérieux? Ah bah si, voilà, il est là. Il fait un petit peu peur, hein, c'est un petit elfe comme ça, il est un peu flippant. Salut! Alors il vend quoi lui? Du charbon, ça m'intéresse moyen, des lingots t'en as? Il a des lingots par contre, un lingot, vous voyez que c'est 9 pièces d'or. Et si je peux acheter les 10 pour 81. Honnêtement, ça m'intéresse pas, je vais en prendre. Allez, peut-être 4. Histoire de me refaire 2-3 choses à vendre pour le lendemain. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, les amis? On pourrait peut-être faire... Bon, les flèches, ça demande beaucoup, en fait, hein, les flèches. Enfin, ça demande 2 lingots. Je vais faire plutôt des... Une petite dague, encore une fois. Donc, vous voyez, une fois que j'ai acheté, ben, ça va dans mon stockage, tout simplement. Donc, ça et un de bois. J'en profiterai la nuit pour aller faire... Vous voyez, après 22h, je vais aller un petit peu piocher à la mine. Pour chercher des... Bah, du fer tout simplement, parce que j'en ai vraiment besoin. Ok, je vais mettre une petite dague en vente. Je sais pas du tout à quelle heure on ferme. Ah, il y a encore un gars avec une quête. Salut. Alors, le commandant, machin, ok. Il veut quoi? Des clous. Ah ouais, tu veux juste des clous?
Pour 10 heures, demain matin, je crois qu'il a dit. Tomorrow, je crois que c'est demain. Donc on va accepter. Oui, c'est ça. Donc demain matin à 10 heures, il faut des clous. Alors ça, il n'y a pas de problème. Je vais lui refaire tout de suite d'ailleurs. Comme ça, j'oublie pas. Ok, je vais poser ça chez lui. Voilà, donc la boutique, elle ferme quasiment à 23 heures. D'accord. La dague, elle n'est pas partie? Non, ok. Je vais aller un petit peu miner. Tant qu'à faire, on va récupérer quelques ressources. Donc encore une fois, je me répète, hein, c'est un petit jeu, mais bon. Pour 2 euros, je me suis dit, pour une fois qu'il y a un prix qui est vraiment... Enfin, vous voyez, je veux dire, d'habitude, les développeurs vendent un jeu comme ça 10 balles. Là, je trouve que c'est vraiment pas cher, quoi. Hein. Donc, je vais bosser. Il est quelle heure? 23 h. Je vais bosser 2 heures. Allez. Ok. Il est quelle heure? 1 h du matin. Allez, je bosse 4 heures. Impec. Il est 5 heures du matin, ça, c'est cool. Donc du coup, j'ai pas fait gaffe à combien que j'ai récupéré de fer. Je vais en récupérer peut-être 6, non, environ. 8 même, impeccable, je vais lancer tout de suite. Une petite marmite de fer. Ok. Niveau du bois, j'étais comment? Il m'en reste 4, bon, c'est pas trop mal. Allez, je vais fabriquer... qu'est-ce que je pourrais faire? C'est quoi, je vais fabriquer une épée. Allez, une épée. Il m'en reste plus que deux. Ah, ça va le faire. C'était ça, un bois, enfin deux lingots, un bout de bois. Oui, c'est ça. 1 h 30. Impec. Pour la revente, ça peut être pas mal. Voilà. Il coûte combien le deuxième chaudron? 160, d'accord. Et celui-là, j'imagine qu'il va être plus cher. Ouais, 320, ok. Donc nous, je crois qu'on ouvre à 8 h ou 9 h du matin. Enfin, je crois que c'est 9 h. Je crois que c'est 9 h. Donc là, il va arriver à 10 h pour prendre ses clous. C'est cool. Moi, du coup, j'ai plus de lingots. Il n'y a pas de marchand. En plus, j'ai plus que 35 pièces, donc ça risque d'être un petit peu compliqué là. C'est pas grave, je vais faire. Il a fini mon lingot? C'est cool. Je vais faire. Peut-être une dague. J'ai vu qu'elles étaient plus ou moins bien parties. On va falloir de nouveau du bois. Avec une petite dague. Il n'y a plus de place? Ah! Est-ce que je peux le mettre ici? Ah oui. Donc là, quelqu'un vient de prendre quelque chose. Les clous, apparemment. Bah, c'est cool. Ça me laisse un emplacement devant juste pour mettre ma petite dague. Voilà, donc on a une épée, enfin deux dagues même, des clous. L'autre va arriver pour sa commande. J'aimerais bien avoir suffisamment d'argent pour acheter le deuxième et commencer à lancer encore une production de lingots, là. Alors, en parlant de lingots, on va y aller. Hein. Il va arriver, je pense, 10 heures. J'aimerais bien essayer comme les flèches de faire des flèches pour voir. Donc deux lingots et après de nouveau deux bouts de bois. Et du bois, il m'en reste plus que deux. Ouais, c'est aussi limite. Ah bah il y a le marchand, salut mec. Ça c'est un les lingots du charbon. Écoute, je vais de nouveau te prendre allez. 4 lingots, même 5. Voilà, 5 lingots, comme ça je suis tranquille. Et comme ça, je vais essayer de faire mes pics. Mais avant ça, je crois qu'il y a notre ami. Voilà, il est là. Salut mec, c'est bon, je t'ai fait tes clous. Ah non, c'était pas des... Ah, t'es un autre bonhomme, toi? Ah non, ok. Je devais juste cliquer sur lui. J'ai pas fait gaffe. Donc là, on a 38% de réputation, c'est bien. Je sais pas si ça a vraiment un impact. Genre, il va y avoir plus de clients, plus de commandes. Je sais pas du tout. Donc voilà, je voulais faire les... Pardon. Petite marche arrière. Je voulais faire les Aaron Heads, donc les têtes de flèches. Il en faut deux, c'est ça? Oui, deux. Ensuite, on replace les têtes de flèches sur la table. Et là, il nous faut deux de bois. C'est justement ce qui me reste. Ah, elles sont belles, mes flèches. Elles sont magnifiques, je vais les poser là. Ah, j'ai cru qu'il y avait un gars qui était venu pour une quête. Non, c'est bon. On va les mettre peut-être même devant. Messieurs, messieurs, dames, bonjour. Venez acheter, venez vous faire plaisir. Là, je pense que c'est une femme pour une quête. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il m'a pris, lui? Ah, l'épée, non? L'épée, c'est cool. Madame, que puis-je faire pour vous? Vous voulez une épée, d'accord, à 18 h et vous me donnez 48 pièces d'or. C'est magnifique. Mais bien sûr qu'on va faire ça. Une épée, il fallait quoi pour en faire une?
Deux lingots et un bois. Ok, ben, on est reparti. Hop. Voilà. Un petit bois. Ah oui, j'en ai plus du bois. Ah ouais, c'est vrai. Mince. Bah écoutez, je vais juste aller en prendre un petit peu, quoi. Alors, je vais bosser juste 2 heures. Voilà, histoire d'avoir 2-3 morceaux de bois et pouvoir faire l'épée. Et après ça, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'était vraiment une petite découverte vite fait. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, je pensais que c'était encore un gars des quêtes. Ok. Donc maintenant, j'ai mon deuxième lingot, il doit être fini. Yes. Impec. Et du coup, là, un bout de bois. Ah, j'en ai pris que un avant? Sérieux? J'ai bossé quoi, 2 heures pour un bout de bois? Non, c'est pas possible. Il a dû se mettre ailleurs, le bois, non? À moins que j'ai pas fait gaffe. J'ai pas dû voir ce qu'il y avait décrit. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, on est parti pour l'épée. Elle vient à 18h, ben elle est là justement, magnifique. Je suis tout pile à l'heure, madame, elle est fraîchement faite, votre épée. J'ai envie de dire, voilà. Tiens, madame. Allez, au revoir. À chaque fois, je fais marche arrière. Monsieur? Bah, attendez, c'est des flèches faites maison, quoi. Ah, mais attends, il est sérieux, lui. C'était combien? 160? Ouais, j'ai pas assez d'argent pour débloquer le deuxième fourneau. Moi, je vais me lancer une dernière fournée de lingots, et puis voilà, hein. Monsieur, 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 que puis-je faire pour vous? Donc vous voulez aussi une épée, une hache, pardon, et vous voulez demain matin pour 11h? Bah écoutez, j'accepte, de toute façon il faut de l'argent, donc voilà. Bah bon les amis, écoutez, on va s'arrêter là-dessus, je veux dire, on a fait le tour, vous avez compris les petites mécaniques. Après encore une fois, je me répète, c'est un petit jeu à 2 €, mais comme dit, si vous êtes intéressé, achetez-le pour soutenir le développeur, vu qu'il a quand même des projets pour agrandir le jeu. Donc j'imagine que si vous l'achetez maintenant à 2 €, ça va être peut-être mieux dans... Que dans 3-4 mois, il va peut-être le vendre 10 balles. Je sais pas du tout, hein, c'est juste une suggestion. Donc voilà. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette petite découverte avec moi. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao!